C'est moi. Calmez-vous, c'est moi l'arbitre, calmez-vous. Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Myriam et Younes. Salut. Aujourd'hui, vidéo assez particulière, on va s'affronter pour savoir qui va faire le meilleur dîner du Ramadan. La dernière fois qu'on s'est affronté, moi je t'ai dit ça, je dirais, je t'ai tapé. Ça doit être ça, ouais. Bien évidemment, c'est moi qui vais être l'arbitre, la famille. On va commencer par la plus petite Myriam. Elle va devoir faire le meilleur tour possible. Elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut, mais elle doit un minimum cuisiner. Là, c'est la carte des meilleurs tours du monde qui puisse exister. Younes va faire sa commande, il y a de tout. Donc c'est à toi de choisir ce que tu veux. Par contre, il y a des prix à côté. C'est quoi cette blague? Ah, c'est payant? T'as cru que c'était gratuit ou quoi? Bah oui, c'est pas Versailles ici. La commande, ça va être, je vais prendre burger plus frites. Je vais prendre un croque-monsieur aussi. Et ça fait beaucoup. Je vais te prendre des nems chinoises. Ouais. Ah oui, une canette. Je veux une canette aussi. 5 euros plus 3 euros, ça fait 8 euros. 8 plus 1, 9. Ça fait 13 euros. Tout ça pour 13 euros seulement? Ouais. C'est pas cher. Alors, c'est parti. Moi, je suis le champion, les gars. Eh, hey, monsieur le rapide, est-ce que ça peut gagner des points ou pas? Ah oui, 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 les gars. Je lave les mains pour pas qu'il y ait de saleté. Ah oui, 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 ça c'est très important. Elle l'a pas fait, Myriam. Ah, Myriam, je l'ai pas vu faire ça par contre. Non, du coup, je gagne des points. Toi, tu veux gagner des points, c'est la base de faire ça. T'as pas de points. Elle l'a pas fait, Myriam. Oui, mais c'est la base de faire ça. Quand même, on va pas te donner des points parce que tu te laves les mains. Ah bien. On laisse directement commencer la plus nulle parce que la dernière fois je l'avais gagné. Du coup, je te laisse commencer et voir ce que tu veux faire. Du coup, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Bon, en vrai, déjà, je vais commencer par faire un premier burger. Bah, bien évidemment, au steak, c'est pas un burger. Tu ne toastes pas les pains. Faut les laisser lisses. Vous voyez quand tu vas dans un restaurant que c'est lisse là comme ça, c'est super bon. Ok, d'accord, ok, d'accord. Ça glisse dans la gorge après avec de l'eau. Donc là, en base de sauce, tu pars sur de la mayonnaise. Ouais. Attends. Quoi? C'est un steak qui est trempé dans la mayonnaise? Bah oui. Comme ça, c'est moins sec. Le steak, il a tendance à être sec dans la gorge, après ça glisse pas. Ok. Là, on rajoute un premier Thunders. Mais what? Un steak et des Thunders? Un deuxième Thunders. Mais pourquoi tu fais ça? Purée, en plus, ils vont pas tenir tellement il est gros. Ensuite, on rajoute. Mais attends. Pourquoi tu mets un steak et des Thunders? Pour qu'ils soient plus originaux, le sandwich. On l'a jamais vu en France. Ensuite, là, on rajoute un petit peu de fromage pour que ça dégouline, c'est la base. On rajoute de la mayonnaise. Oh là là là. Hey, Myriam, écoute ce que je vais te dire. Tu prends des risques. Là, c'est le dîner du Ramadan. Ils ont pas mangé toute la journée. Et là, on l'aplatit, bah ça, c'est obligé. Et là, regardez, ressemble à quoi? Le premier. En vrai, ça peut le faire. Oui, ça va le faire. C'est pas ça, peut le faire. Alors, on va faire le croque-monsieur. Ok, croque-monsieur, tu vas faire comment? Ouh, la meilleure sauce du monde. Oh, sauce curry. Yacine, je pense qu'elle va t'exploser. Mais frérot, tu peux pas dire qu'elle va m'exploser alors que. Ça là, est-ce que ça me rapporte un point? Oui, je lui donne un point. T'as déjà 1 sur 20 grâce au maillot. J'ai une vraie question à vous poser. Ouais. Comment ça se fait? Comment c'est possible? On mange pas toute la journée, on fait le Ramadan. Et quand on arrive le soir, on mange, on prend une bouchée, on est calé. Comment ça c'est possible? Mais c'est un croque-monsieur au Thunders. Thunders? Oui, Thunders. Dans le croque-monsieur? Attends, on va rajouter aussi la mayonnaise par-dessus. Ah, tu prends des risques, hein. C'est soit ça passe, soit ça casse. Tes recettes, y a personne qui les fait au monde. Bah attends, mais du coup, vous répondez pas à ma question? Mais je sais pas, ton estomac il se rétrécit. Ah ouais? Mais tu rajoutes pas de sauce au-dessus? Moi, c'est bon, j'arrête de t'aider parce que après, tu vas dire. Tu vas mais t'as vu, monsieur l'arbitre, tu commences à l'aider, après elle va gagner, ça va être à cause de toi. Bah. Et là, on a. Ta-da-da. La crème fraîche. Ah, c'est pour ça qu'elle mettait pas de sauce au-dessus. Mais dis pas que tu vas faire la sauce spéciale de croque-monsieur béchamel bizarre du dessus là. Comment ça, béchamel? Qu'est-ce que tu nous racontes, toi? Hey, Younes, je sais pas pourquoi je le sens pas. C'est magique. Comme ça, tu le sens je pas. Je le sens pas, et son truc, je suis sûr que ça va être une pépite, je sais pas pourquoi. Là, tu te dis, là, vous vous dites dans votre tête, ça ce n'est pas un des tenders dans un croque-monsieur, mais je suis sûr que ça va être exceptionnel. Bon, en fait, elle a plus qu'à avoir rajouté du gruyère au-dessus, ça va être une dinguerie. Bon, tu connais ma technique, toi? Mais tout le monde les connaît, les croque-monsieur. Prends les montages, je te l'étale, t'inquiète. Par contre, je peux te prévenir, si tu fais un truc bizarre, je t'enlève 5 points. Je t'enlève 5 points. Tu l'as proposé, c'est le Ramadan, c'est un mois d'entraide et de partage. T'aides ton ennemi, d'accord? Mais si tu fais un truc bizarre dans son croque-monsieur, je t'enlève 5 points. Younes, s'il te plaît, ça fait un point en plus, là, je l'ai. Non, ça fait pas de points en ça plus. Ça, c'est pas... Ça y est. On va venir ajouter le gru-gru. Tac. Question, c'est quoi qui te donne le plus envie, là, sur la table? C'est le burger ou le croque-monsieur? Les deux, mon frère, je te dis. J'ai envie de mettre le burger sur le croque-monsieur et t'as pas un croc. Là, normalement c'est plus un point. Bah Yacine elle fait ses propres frites maison. Attends, mais si c'est des frites maison, j'avoue que c'est rare d'avoir un fast food avec des frites maison. En plus le temps que ça prend, si t'arrives à bien les faire, ça peut être une masterclass. Ouais, parce qu'elle a fait que des trucs Attends, ça coupe pas. Que je t'aide. Ouais s'il te plaît parce que ça coupe pas. Je vais t'aider. C'est le mois du partage tranquille. Bah je vous laisse faire vos frites et on se retrouve juste après. On commence par le f'tour de Myriam qui a décidé de tryhard vu que Yacine a gagné l'autre fois. Elle a fait un f'tour de malade mental. Donc je vous présente bien évidemment les dates avec lesquelles notre prophète Mohamed Ali Satoussem rompait son jeûne ou alors avec de l'eau. Deux croques monsieur, le burger, les nems et les frites fait maison. Masterclass pour ton âge quand même. Ah oui, mais là pour l'instant là c'est grave beau là, tu mets combien de notes? À la présentation, franchement, je donnerai ma note à la fin, Yacine il aura sa note et après il y aura une séquence. Dessert. Mais attends, regarde, y a quoi? Petite boisson. Oasis. Ice tea, les amis. Bon, on va commencer par. Bah, je vais laisser Yacine, vu que c'est le champion, c'est lui qui décide. Le burger. On commence par le burger. Je vais te laisser venir un petit peu, je vais le couper en deux, parce qu'on va regarder aussi l'aspect visuel, comment il est. Le couteau, il est fluide. Hein. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Eh, ça fait un hot tacos dans un burger. C'est la même face qu'un hot tacos. On va goûter, t'as pris des risques avec le Thunder. Bismillah.
Alors ce qui est bien avec ce burger, c'est qu'on n'a vraiment pas l'habitude. D'habitude, c'est soit le steak et la sauce, après c'est fini. Là, on commence avec la sauce. D'ailleurs, mayonnaise, c'est un très très bon choix de ta part parce qu'on sait que la mayonnaise, ça se marie bien avec le steak haché. Plus le Thunder, ce qui nous rajoute une touche salée. Donc franchement, Myriam, ce burger, il est vraiment validé. Sachant que moi, j'aime bien être calé et ça cale. Je peux vous dire que pour mâcher, j'ai mis une demi-heure. Mais franchement, Myriam, c'est un très bon burger. Et s'il y a des restaurants qui te volent la recette, n'hésite pas à les attaquer en justice. Ensuite, on attaque par les nems. Ouais. On va regarder les nems. Les nems. Alors ça, il y a un combat entre les nems et les feuilles de brique, Yacine. Je vais te laisser. Quoi? Je vais te laisser goûter quand même. Il y a un combat entre les nems et les feuilles de brique. Bismillah. Moi, pour ma part, c'est mieux que des feuilles de brique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas l'huile. Maman, t'entends? Entendu? Mais j'ai le droit, c'est les feuilles de brique, c'est bon aussi. Mais ça, en mode, c'est léger, tu vois, à l'intérieur, c'est des sortes de petits ficello. Je sais pas comment expliquer, c'est un goût de crevette, c'est vraiment super léger. Ça dépasse légèrement les feuilles de brique. Et c'est encore validé, franchement bien doué. Pour l'instant, c'est un 100 points pour Myriam. Va attaquer les frites. Voilà comment on met de la sauce chez moi. Je vais te laisser goûter aussi parce que tu veux donner ton avis aussi, c'est ta bouffe. Prends une bonne poignée, Myriam, une bonne poignée. Smell. On sent le goût de la pomme de terre. C'est pas trop salé comme les fast-food. Ils mettent une tonne de sel. C'est écœurant. Ils mettent une tonne d'huile. Et là, elle a fait au air fryer. Du coup, c'est bien léger. Ça passe. Ça glisse. Et popcorn. Là, c'est ta gorge, ça fait. T'en sors très très bien. Je suis choqué. Hein. Ouais. Tu vas faire des plats plus souvent, toi. Et maintenant, on va s'attaquer à la bête. Le croque-monsieur. Pas normal, hein. Parce que t'as mis du Thunders à l'intérieur. On va le découper. Voir ce que ça donne. Mal. Elle a choisi de mettre la sauce curry. Pour l'instant, les gars, ça va être chaud. Myriam, depuis la dernière fois, elle s'est grave entraînée. Elle a fait des plats de malade mentale. On y va. Attends, t'as apporté la boisson. Ah oui, c'est vrai, les gars, c'est vrai. On va se rafraîchir avec de l'Oasis Ice Tea. Mais j'ai pas compris. Normalement, c'est soit de l'Oasis, soit de l'Ice Tea, pas les deux. Pour ceux qui aiment bien les deux, qui ne savent pas à se départager. Oh, ça sent l'Ice Tea. Ah, tu penses qu'ils ont pris de l'Oasis et de l'Ice Tea, ils ont mélangé? Moi, pour ma part, c'est de l'Ice Tea, c'est pas de l'Oasis. On est d'accord, c'est de l'Ice Tea. Mais c'est pas ouf, hein, ouais. C'est pas validé. Hein. Normalement, tu choisis soit l'Oasis, soit l'Ice Tea, mais pas les deux mélangés. Allez, on y va pour le croque-monsieur. Bismillah. Encore meilleur qu'un véritable croque-monsieur. Vraiment. Oh là là. Franchement, je suis épaté de moi-même. En fait, j'ai l'impression que le Thunder, ça rentre partout. Dans un burger, dans des Thunders, dans une pizza, dans un tacos. Les frites. Les Thunders, ça se met partout. Ouais. Donc, Myriam, je vais te mettre la note de 9 sur 10 pour ce premier repas. On va voir comment Yacine se débrouille. Franchement, je suis vraiment content de moi. En plus, à mon âge, franchement, que j'arrive à faire un repas. Et en plus, Yacine, il a noté 9 sur 10. Franchement, c'est incroyable. Autour de Yacine, vu que c'est le champion, alors Yacine, je vais te faire ma commande. Je vais te prendre, s'il te plaît, des mini pizzas. Je vais te prendre des mini tacos. Ok. Des nouilles chinoises. Et je vais te prendre. C'est quoi toast œuf entrée? C'est une entrée de œuf toasté en fait. Vas-y, bah, je vais te prendre ça. Ok, donc t'as pris pizza, ça fait 2€. Tacos, ça te fait 7€. T'as pris nouilles chinoises, ça fait 7, 8, 9, 10€. Et pour finir, le tacos œuf entrée, 11€. Elle avait payé 12€. Moi, c'est 11€, c'est 1€ moins cher. Est-ce que tu rajoutes une boisson ou pas? Ouais, une canette. J'ai un appel là, je vais aller répondre pour le restaurant. Et let's go, on est parti directement avec les mini tacos. Donc on va couper ça en deux. Eh, c'est le ramadan, le ventre il se remplit trop vite les gars, on cale vite pendant le ramadan, du coup faut faire des mini tacos. Ah genre tu vas séparer le tacos en deux. Exactement, donc on va couper ça en deux, bonne voilà, idée, impeccable. Ouais, ensuite on va commencer par faire une base curry. Donc, ah ouais, base curry, on l'a jamais curry, vu ça. La base, mais t'as pas peur genre que ça cale pas? Mais au contraire, parce que quand c'est le ramadan, tu manges une bouchée, t'es ah, calé. Ah, en mode tu veux faire des petits tacos comme ça, voilà. Tu peux plus profiter. Ah exactement, c'est vrai, c'est vrai. On étale un peu. Ensuite on va prendre un petit peu de lardon avec du fromage. Lardon fromage. Oh là là, tu vois la bouchée parfaite là ou pas, Myriam? C'est une dinguerie, les gars. La bouchée parfaite, attention. Voilà. Myriam, je vais pas te mettre la pression, mais c'est le champion. Hein. Avec tout simplement un petit peu de tenders. Ah ouais, il va mettre tenders lardon. La moitié. Enfin, on aurait pas la moitié. Mais moi aussi, je pourrais goûter pour dire mon avis. Si tu veux, je suis impatient de savoir la taille du tacos, la famille. Ensuite, on va prendre un petit peu de camembert. Oh, camembert! Camembert. Et il prend des risques. Non, j'avoue, il a raison. Il est champion, il est obligé de prendre des risques, Mimi. Des fois, le camembert, c'est bon. Hein. Et après, lardon. Et là, pour finir, la famille, lardon, tender, c'est la même chose. Ok. On va passer à l'entrée. Donc, l'œuf à toaster. Donc, regardez, je vous montre qu'est-ce que c'est l'œuf à toaster. Donc, on a tout simplement la machine à tacos qu'on va ouvrir. Mais comment t'avais pour trouver toutes ces recettes? Des pains de mie à toaster. Mais lui, il triche. Il fait les trucs des hôtels. Arrête, c'est pas n'importe quoi. Donc, là, on met à toaster quelques petites secondes. Ensuite, on viendra. Moi, j'ai du popcorn. Y incorporer, regardez, des œufs au plat qu'on a pris. Ah, tu perds, je crois que tu vas perdre un non, point. Arrête, c'est rien. Qu'on a préalablement chauffé avec du gruyère. Venez, pour l'instant, on va pas perdre de temps, je vous emmène aux nouilles. Ouais, Myriam, lui, il est... Oh, regarde ce qu'il a fait. J'ai rien envie. T'as fait quoi? Arrête, hein, je rigole pas. Touche pas. Mais t'as vu ce qu'il y avait? C'est moi, ça, normalement. Je l'ai décollé pour pas qu'il colle, c'est gentil, non? Du coup, on incorpore les nouilles dans le bol. Donc, normalement, ça va bien chauffer. Les bonnes nouilles chinoises. Par contre, je vais prendre des risques, les gars. Attends, mais là, tu vas prendre quoi comme risque? J'y crois pas. Vous allez voir. Pour les nouilles, déjà, pour dans un premier temps. C'est moi, hein, ça, il a mis à par terre. Yacine, il fait que de faire tomber. Et donc, le risque que je vais prendre, je vais rajouter de l'emmental sur les nouilles. Oh!
Mais là, tu respectes pas les Chinois, vraiment. Mais arrête, déjà, stop. Chinois, regarde, même elle a fait un malaise, carrément. Et là, regardez, on va mélanger. J'avoue, il y a et moyen. Tous ceux-là, dont leur pays, il y a des nouilles. Attrapez-le. Pourquoi on mélange, Nalé, Myriam? Pourquoi on mélange? On va voir si t'es fort. Tu respectes rien du tout. Pourquoi on mélange? Moi, je ne réponds pas aux non-respecteurs du plat. C'est-à-dire que tu vas mettre des saucisses dans du couscous? Oula là 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 là. Il ne crame pas, il est toasté à point. Oh là là, c'est la cuisson parfaite. On va prendre de la crème fraîche qu'on va toaster sur le pain. Tu vas faire les deux crèmes fraîches. Voilà, comme ça. Ok, ça c'est la petite entrée, okay. Elle a dit. Ça, calculez pas, c'est en bonus, d'accord? Attends, mais ça veut dire quoi, c'est en bonus? C'est en bonus, mon rey, c'est en bonus. C'est pas toi qui l'a fait. C'est maman qui l'a fait. Ok, d'accord. Donc en tout cas, la famille, on commence avec les mini pizzas. On l'avait pas filmé, mais on a fait des mini pizzas. J'aimerais vous dire que c'est fait maison, mais c'est le ramadan, on peut pas. C'est haram de mentir. En ramadan, c'est pas fait maison. Aïe, aïe, aïe. Ensuite, on a des tacos. Oh, regarde-moi ça, Younes, ici. Regardez. Incroyable. Vous voyez ça? Le fromage qui dégouline. Attends, mais excuse-moi, Myriam, ne sois pas trop dégoûté. C'est pas sûr qu'il ait gagné. T'as eu un 9 sur 10. On a le toast qu'on a fait juste ici avec de l'œuf. Et là, les pâtes chinoises avec de l'emmental. Bah, je suis pas très. Et bien sûr, la boisson. Regardez la boisson que j'ai prise. C'est quoi? Attends, mais c'est quoi ça? C'est une boisson très spéciale qu'on trouve là. Qu'on trouve Perrier, nulle part, pêche il a du rouge à Japon. Il a du rouge à Japon. Ok, bah je vais goûter, je donne ma note et après c'est pas fini, il y aura les desserts, ok? Ok. Commence par quoi, champion? Commence par les mini pizzas. Évite de l'appeler champion aussi. Les mini pizzas, c'est grave bon, ça s'appelle des piccolini. Faut les appeler les piccolini. Les piccolini, c'est incroyable. Je suis sûr, Myriam, tu vas vouloir tout finir. Je pète ma tête. Mais je vois, c'est hyper bon. Après, on dirait que t'as mis du beurre dedans. T'as rajouté du beurre? J'ai rien rajouté, les reis. C'est du surgelé, les reis. Dites-vous, c'est à la crème fraîche, au fromage. Y'a pas de poulet. Y'a rien. On dirait que t'as une petite couche de beurre qui vient de caresser le bout de la langue. C'est vraiment incroyable. Mais du coup, j'ai une question. Toutes ces pizzas correspondent à combien de parts de pizza? En vrai, un morceau, c'est une part. Ça, faut croquer ou faut découper? Faut croquer. Il a grave recopié les hôtels. Quand tu vas à l'hôtel le matin au buffet, il a laissé le jaune poulant. Ça fait grave la diff avec le fromage. De toute façon, Yassine, il fait un sans faute. Maintenant, t'as voulu prendre des risques sur le tacos. On va prendre. C'est camembert que t'as mis. C'est camembert. Ok, juste avant. Moi, je prends un normal. On va goûter la boisson quand même. Goûter la boisson à la pêche. C'est une boisson pétillante. Bismillah. Moi, j'ai pas de verre du coup. Ah, là, tu t'es trompé. Mais... Non, mais hier aussi, c'était pas bon son iced tea. Hein. T'es malade. Il te faut des médicaments. Bah, t'as ton médicament là. Fais gaffe. Je goûte. Goûte pour ta maladie. C'est un truc de malade. T'as vu? Y a pas de sucre. Bon, bismillah. Moi j'ai goûté. Le curry ça a fait vraiment la différence. Hein. Celui au camembert il est bon, mais il est fort. Hein. Pour les anciens ça. Hein. Ah ouais, bah oui. T'as les lardons qui viennent te caresser et après t'as le fromage qui un coup de coude dans la glotte. Donc en vrai c'est bon. Pas. Mais là t'as pris trop de risques. Mais t'as les autres, goûte les autres. T'as pris trop de risques. Celui-là c'est un banger. On sent le curry. Après le lardon il vient et fait une écrase de curry. Donc pour l'instant t'as fait deux trucs bons et celui-là t'as pris trop de risques, mec. Le camembert dans un tacos, évite. C'est trop fort, c'est trop pour les anciens. Je suis pas ok, d'accord. Maintenant on va attaquer. Le curry. Noodles, les noodles, faut les appeler. J'ai beaucoup d'espoir sur les nouilles au curry parce que en vrai de vrai, j'ai mis du fromage, mais ça peut que être bon le gruyère en vrai. Il est où le gruyère? Il est mélangé. En vacances. Il est mélangé. Il est mélangé où? Mais il est où ton gruyère? Mais goûte, tu verras, goûte. Je sais pas, le gruyère, avec la chaleur, il a du fond, mec. Il y a pas de gruyère. Là, c'est des nouilles. Donc en vrai, c'est bon, mais tes risques ont été trop grands, mec. Donc Myriam, t'as eu 9 sur 10. Moi, je vais te mettre la note de 8 sur 10. Oh, je suis dégoûté, ça paye pas de prendre des risques, les mecs. Oh là là. Maintenant, on va s'affronter au dessert et votre champion, je vais les... Pour la séquence dessert, vous avez vu, j'ai sorti la jelleba parce que je vous avoue que mon ventre, il commence à serrer. Et avec la jelleba, tu vois, c'est un glitch. Tu peux manger en illimité, ton pantalon, il est pas serré. Donc, Yacine, tu vas devoir faire un brownie au chocolat blanc avec un chocolat chaud. Et Myriam, tu vas devoir faire une gaufre à la chantilly pour le dessert. Que le meilleur gagne. Normalement, ça va être un très très beau combat. Let's go. Et vous le savez que le mois du ramadan, c'est le mois du Coran. C'est le mois au cours duquel le Coran a été descendu. Aujourd'hui, je vous lis un verset très important. C'est à Allah qui appartient tout ce qui est sur les cieux et la terre. Certes, la promesse d'Allah est vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Vous avez vu ce que nous dit le Coran? Tout ce qui est autour de nous, ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui a tout fait. Et la plupart, ils savent pas. Nous, on a la chance d'être musulmans. On sait que tout ça existe. On sait que Dieu, il existe. On sait qu'il faut prier. On sait qu'il faut jeûner. Donc la famille, il faut vraiment vraiment qu'on soit conscient qu'être musulman c'est le plus beau des cadeaux. Et après le ramadan, il faut continuer, vous allez voir comme il va vous le dire Yacine, continuer à faire la prière, continuer à faire les bonnes œuvres jusqu'à ce que Dieu nous rappelle vers lui et on espère avoir la récompense. On va passer à bon dessert. Et doucement, je vais manger ou je vais me faire manger? J'avais commandé des gaufres à la chantilly au chocolat. Choisis Nutella en vrai. Nutella. Tu vois, j'aime bien parce qu'il y a un spectacle avec elle. C'est de la cuisine. Incroyable, les gars. Un peu de chantilly.
Ok, ouais. Est-ce que tu veux participer? Ouais, je veux bien. Je peux mettre la dernière touche. Vas-y. Ça va lui faire gagner des points. Toi, généreux. Ouais. Je tiens à te dire que c'est la première fois de ma vie qu'il y a quelqu'un qui fait un spectacle devant mon assiette et ça m'a fait des petites fourmis ici. Donc d'ailleurs, tu aurais une bonne note de présentation, les gars. Vous avez vu, c'est beau. Et tu peux te dire, champion, c'est beau. Ouais, c'est beau, mais ça n'a pas l'air bon. C'est parti. Est-ce que ça va être aussi bon que beau? J'avoue, ton show, il était pas mal. Allez, go, tu me conseilles de conseiller partout manger. Hein, avec, je dis n'importe quoi. Oh, c'est trop bon. C'est vraiment, vraiment super bon. En fait, le mariage de la chantilly, du Nutella et de la gaufre. Mariage. Et ça, c'est des Smarties. C'est incroyable. Je vais lui mettre la note de 10 sur 10. Franchement, c'est formidable. Les gars, j'ai gagné beaucoup de poids. Franchement, je suis super contente. Je vais détrôner Yacine. Vous allez voir, ce sera plus lui le chef. Ce sera moi la chef. Moi. C'est vrai que j'ai bien aimé le choix de Myriam. Ok, elle a fait un show, tout ça. Mais Younes, on est d'accord qu'elle a rien fait tout seul. Moi, je vais tout faire de A à Z mon gâteau tout seul. Ça mais ça a intérêt à être bon. Ça va être bon, t'inquiète pas. Parce que toi, de base, t'es pas un cuisinier. Non, mais moi, je suis le champion de la côte familiale. Donc, vous allez voir. On commence avec deux bananes. Écraser des bananes bien comme il faut. Tous ceux qui ont commencé pendant le ramadan à faire la prière, à lire le Coran, tout ça, c'est très très bien. Franchement, félicitations à vous. Mais faut pas arrêter après le ramadan, faut continuer. Regardez-moi ça. Donc là, c'est de la bouillie. Ensuite, on va casser trois œufs. Les œufs aussi, c'est la base pour les gâteaux. Donc, est-ce que tu sais casser sans casser la coquille? Là, je vais observer. Normalement, t'es le champion. Eh, hey, il y a de la coquille, Yassine. Après, on va les enlever, les coquilles, ça c'est rien. Vas-y. Prochaine étape, on va incorporer la farine. Ah, en vrai, tout le monde peut le faire, ton gâteau, c'est pas compliqué. Tout le monde peut le faire. Et d'ailleurs, je vous invite à le faire parce qu'en plus, c'est bon pour la santé. Ça veut dire, ça va pas vous faire grossir, ça va pas vous donner des problèmes de santé, donc c'est très très bon pour la santé. On enchaîne avec la prochaine étape, donc il faut mettre 60 grammes de beurre de cacahuète. On est parti, donc tac. Mais là, il te reste plus d'ingrédients, c'est-à-dire c'est la fin. Ça fait que 13 grammes, Younes. Ah ouais? Ensuite, on mélange une fois qu'on a mis le beurre de cacahuète et ça sent grave bon, Younes. Ça a l'air d'être une dinguerie, ton brownie chocolat bleu. Le gâteau est terminé. Genre, il y a juste ça à faire. Il manque une dernière étape, ça va être de mettre des pépites de chocolat. On va mettre des pépites de chocolat un peu partout. Tac, 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 histoire que ce soit le topping. La meilleure étape de la vidéo, je me lève carrément. On va devoir mettre toute la préparation dans le saladier. Ça a l'air d'être incroyable, les gars. On met tout ça dedans. Et pour finir, la famille, on va y rajouter, y incorporer des pépites de chocolat, bro. Voilà le résultat de mon gâteau que je viens de faire, justement. Je suis super content. Il a bien gonflé. On voit les pépites de chocolat juste au-dessus. Il est dur à l'extérieur et il est moelleux à l'intérieur. Donc, je suis super content. Je dois vous avouer un truc, la famille. Cette vidéo, elle a été tournée en plusieurs jours. Je sais que je suis un big mama, mais je peux pas manger tout sur un stall. On a pris à peu près 2 à 3 jours. On a pris 3 jours. En vrai, chaque jour, Yacine et Myriam, ils ont fait un stall. Hey, t'as de la mousse de chantier sur le nez, Myriam. Là? Ouais. Elle est tellement en train de rafaler son gâteau. Donc, Yacine, t'es confiant? Ouais, je suis confiant. On a le petit chocolat chaud qui est arrivé. Allez, c'est parti. J'avoue, ça a la texture d'un brownie, c'est mou, genre. Et un brownie, on est d'accord, c'est mou. C'est un brownie, c'est pas de cette couleur, un brownie, c'est marron. Non, mais lui, c'est un brownie au chocolat blanc. Du coup, c'est grave respect. Waouh, t'as vu, regardez, ça a la texture un petit peu brownie. Ouais, faut le tremper dans le chocolat et tu trempes, ouais. Bismillah. T'aurais dû goûter d'abord sans trempette et après avec trempette. T'as la raison, hein. Bismillah. Je vais goûter sans tremper parce que c'est un peu c'est triché, ça. Alors, niveau texture, c'est tout à fait un brownie. C'est mou, ça glisse, etc. Par contre, niveau du goût, il aurait dû mettre plus de sucre. Toi, la banane, c'est sucré. Ouais, mais en mode, c'est pas assez sucré pour un gâteau. Au moins, tu vas pas grossir avec ça. Toi, tu te prends pour Cédric Grolet ou... Donc, ton gâteau, il est très très bon. Mais pour la prochaine fois, tu sais, tu fais quoi? Ouais. Rajoute un peu de sucre. Donc, je vais te mettre la note de 7,5. Parce que c'est bien respecté, c'est un brownie, c'est fondant, etc. C'est la première fois que je fais ça. Et franchement, c'est vrai que j'aurais dû mettre plus de sucre. Mais moi, j'ai voulu faire un truc bon pour la santé. Mais en vrai, j'aurais pas dû. Alors Yacine, on va commencer par toi avec une note de 15 sur 20. Tu t'es très bien débrouillé en salé avec les mini pizzas, les nouilles chinoises, etc. Par contre, le sucré, on a souffert. Il n'y avait pas beaucoup de sucre, mais il y avait la texture du brownie. Donc 15 sur 20 pour Yacine, c'est excellent. Myriam, tu nous as fait une recette salée plutôt exceptionnelle. Tes burgers frites et tes nems et ton dessert masterclass. C'était très facile à faire, digne d'un maternel, mais tu te débrouilles bien avec un 19 sur 20. Donc, on va quand même remettre le prix du meilleur cuisinier de la famille pour le ftol du ramadan. Attention, Myriam! Un jeu Myriam qui reprend son titre de meilleure pâtissière pour le ftol du ramadan. Je suis pas d'accord. Comment pas d'accord? Comment ça t'es pas d'accord? Je suis pas d'accord, il y a de la triche. Non, il y a pas de triche. Mes trucs, ils étaient mieux. Vous savez quoi, je vais prendre ma revanche. À 5000 likes, je prends ma revanche spéciale pizza cette fois-ci et je vais t'éclater. Est-ce que Myriam, tu acceptes de prendre la revanche à 5000 likes? J'accepte. Entraînez-vous pendant ce temps-là et je vais acheter tous les ingrédients, on se refera ça plus tard. Ciao, ciao.